on se retrouve pour la suite du tuto. Donc j'ai presque collé toutes mes pages, sauf la... celle-là que je voulais faire un truc spécial avec vous. Donc en fait, on va... Donc là, j'ai pris un tampon que j'ai acheté sur Vinted, mais qu'il y avait à Noz sûrement, certainement, il n'y a pas longtemps, ou comme ça, de chez Crazy Art. Ça, ouais. Et du coup, j'ai pris juste le numéro 25. Alors je prends un petit peu, voilà, pour le moment c'est bon. Alors on va enlever un tout petit peu le rebord. Où c'est que j'ai mis la lingette? Elle est par terre. Juste un tout petit peu le rebord du 5, voilà, pour pas en avoir trop, et du 2 pour pas en avoir trop, parce que on n'a pas assez de place. Voilà, là aussi, hop, voilà. Et là, en fait, est-ce que vous allez voir ce que je fais? Je ne sais rien. Si, je pense. En fait, je vais juste mettre mon 25 là-dedans, comme ça. Voilà, mon 25, il sera là. Voilà, là on voit qu'il y a un 5 et un 2. Est-ce que ça marchait? Le 2, oui. Le 5, oui. Ouais, on voit qu'il y a un 5 et qu'il y a un 2. On va peut-être repasser un peu sur le 5. Voilà, juste pour repasser dessus comme ça, quoi. Voilà, pour qu'on comprenne que c'est un 5 et un 2. Du coup, là, j'avais commencé à coller. Donc, je vais chercher vraiment ma colle. Maintenant, je vais pouvoir le coller. Voilà. Sauf par là qu'on va pas le coller parce qu'on va le laisser sécher déjà au milieu. Et voilà. Et qu'il faut pas le coller. Forcément. Hop. Tac. Donc là, on attrape notre feuille. On le met hop ici. Là, hop. Là, hop, là, hop, là. Je vais prendre juste mon torchon si j'arrive à l'attraper. On va attraper ça comme il faut. Voilà, mon torchon. Hop. Alors là, ça a coulé. Voilà. Ce que je craignais arriva. Et du coup, on fait comme ça. Là, ça a coulé là aussi. Hop. On enlève. Voilà. Voilà, voilà, bon, on est pas mal sinon. On est pas mal sinon. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. On va juste enlever le coup de crayon, mais ça, ça sera tout à l'heure. Voilà. Donc là, du coup, ça nous fait notre arrière. Voilà. Donc là, on va calculer quand même. On va se mettre comme ça. On va se servir de ce qu'on a dit de faire. On se met bien au milieu. Bien la pointe sur la chose. Et on punch. Voilà. Là, on a punché. Donc là, c'est bon. Pareil, là. On se met au milieu. La pointe, elle est sur la maison. Et
punch. Normalement, c'est bon, c'est bien au milieu, vous voyez. Et on fait ça pour toutes nos feuilles. Les deux autres qui restent. Sachant qu'il y en a une qui va être aussi à puncher. Donc on va faire comme par exemple avec ça, c'est pas grave. Hein. On a compris. C'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait de la feuille? Si, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'en ai fait de la feuille? J'ai pas fait 14 là? Ça fait combien ça? Ça, ça fait que 14. Elle est où l'autre feuille? Pourtant, j'avais fait 14, 6. Une deuxième. Bon, au pire, sinon on mettra tout à l'heure. Alors là, pareil, on se met au milieu, bien au milieu, et on punch là pareil, on se met au milieu. Là, je suis un peu bougée. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Et on punch. J'ai peut-être un peu bougé, mais c'est pas très grave, ça peut se rattraper. Voilà, donc ça c'est mon aller, hop, ça c'est mon retour. Je pensais que j'avais fait une autre. Bon bah non, alors. Et bah on va faire pour ici, c'est là que ça sera, hop, la feuille. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres feuilles Bah pour moi j'avais bien fait. Mais en fait, non. J'ai pas bien fait. Donc est-ce qu'on garde comme ça et que ça nous fait quand même par transparence la chose? Ou du coup, je sais pas du tout. Non. Non, j'ai pas envie. Juste une feuille par transparence, c'est bien. Voilà. Donc voilà. Donc, il nous faut la gomme que je sais pas où j'ai mis. Elle est là. Du coup, j'enlève les bêtises. Hein. Voilà. Hop. Hop. Voilà. On enlève les bêtises ici du coup. Hop. Donc c'était 7,5, hein, vous aviez retenu, hein, je pense que je l'avais déjà assez dit comme ça. Voilà, c'est pas grave. Voilà, très bien. Ici, c'est là. Ah oui, mais elle était très moins belle celle-là. La main pède là, parce qu'elle va marcher mieux. Je sais pas, ça va pas trop. Mais... Voilà, ça se voit pas trop non plus, hein, faut dire ce qui est. Donc là, on fiche. Et là, dans la porte. Voilà, c'est bon, il n'y en a plus. C'est ce qu'on va dire. Voilà. Donc,
Voilà. Donc on va décorer la première page. Donc pour la première page, je me suis servie, du coup. On peut mettre ça aussi. Hein. On peut mettre une feuille dorée dans le bloc. Ouais, et en 14-6, cette fois-ci. Et pas ce que j'ai fait avant. Avec du vélum. Parce que là, il nous reste quoi? C'était ce bloc là. Il nous reste on va voir ce qu'on va mettre en mots, tout ça. Est-ce que je ferais pas une page dorée? Bah non, parce que après ça va pas aller si je fais la page dorée. Voilà. On va essayer de faire un truc aussi. Je voulais voir si on pouvait mettre du ruban dans le truc. Parce qu'on va faire comme ça, je pense, ma reliure. Au ruban. Voilà, hop. Et hop. Hop. Voilà. Et là, ça bougera pas. Si on fait un nœud comme ça, un autre nœud. Faut pas faire bouger. Hop. Comme ça, on refait un nœud comme ça. J'essaye juste, hein, de toute façon, là c'est un essai. Déjà, il va falloir serrer bien comme il faut notre ruban. Pas que ça bouge trop. Voilà. Et là, on va faire un espèce de petit nœud comme ça. Voilà. Là, ça va faire que notre truc doit pas trop se barrer et que ça devrait tenir. Par contre, ça, hop, du coup, coupé par à peu près par là. Voilà, vous voyez, hop, on a fait notre ruban. Alors attendez, hop, parce que là ça va pas. Donc là, il faudra peut-être que je le colle, j'en sais rien. Voilà. Et ça nous fait notre album. On peut tourner les pages vite fait. Je dis bien. Ça ne nous bloque pas pour tourner les pages, en fait. J'ai pas essayé. Non, c'est bon. Tac. Et tac. C'est parfait. Ça nous fait un petit album. À voir si c'est bon ce que j'ai fait. C'était un ruban que j'avais trouvé chez Nose. Il y a juste ça qui est chez Nose pour l'instant. Ça, on va pas le prendre du coup. Pas pour l'instant. Du coup, je pense qu'on va faire la déco ensemble des premières pages. Donc, on va mettre de la mousse 3D et tout. J'avais pensé à cette petite cheminée. Parce que je la trouvais mignonne. Ce petit fauteuil avec la cheminée ou le fauteuil. La cheminée sur une autre page. C'est très nature. Au lieu du fauteuil, parce que le fauteuil et la cheminée, je trouvais que ça allait bien ensemble. Mais on peut peut-être trouver autre chose.
pas Let It Snow. Merry Christmas. Ça, ça sera pour le 25. Merry Christmas. Ça, on comprendra. Winter. Hot chocolate. Wine. Shine. A shine like in the star. Je mettrai plus le siège. J'ai quoi d'autre sinon? J'ai ça. Non. J'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Le sapin avec ça, ça va pas ensemble. J'aime bien comme ça. Dans la grosse cheminée, pas maintenant. Non. Comme ça, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez ce que je fais au moins? Oui. Et bon, on va mettre ça en 3D. Il faut que je retrouve les ciseaux. Je devrais mettre en plus de 3D. Ah mais alors là j'ai peur que ça... Voilà. Non, bon c'est pas grave. La cheminée on va la mettre en plus 3D elle. On va faire 2 3D.
l'enlevé. J'avais pas enlevé le scotch. Mais ça arrive. Donc là, on fait juste la première page de garde ensemble. Et après la déco, bah, on continuera ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà, là, on va mettre notre cheminée, elle va être par là, et elle est plus imposante que le sapin, voilà, là, on ne mettrait pas ça, non ça ferait trop, là j'ai quoi d'autre comme mot. Love Joy. Ça j'aime bien. Ça représente beaucoup pour moi. Cozy Day. Let It Snow. Non. Winter. Shine Like a Star. Ça peut être bien un lead. On va peut-être pas le mettre en 3D. Oh, si. J'aime bien mettre les choses en 3D. Donc, ça, c'est avec le scotch de chez Action. Je m'embête pas. Je mets juste un truc en 3D. Et hop. Regardez, hop. Alors, attendez. Hop, en plein milieu. Bon, pour l'instant, voilà. Là, il y aura peut-être quelque chose qui descendra, mais je sais pas quoi. Petite boule comme ça, voilà. Elle va descendre normal. Voilà, ça fait un truc qui descend quand même. Voilà. On verra ce qu'on en fera plus tard. On a déjà fait la première page. Le nœud. Bah après, les autres, elles sont pas mal décorées. Donc, on va pas trop charger non plus. Malgré tout ce qu'on a là. Ouais, il y en a qu'on va pas trop charger non plus. Moi, celle-là me va encore. Celle-là, genre une étagère comme ça, voilà. Peut-être une étagère simple ou je sais pas. Ou un cadre. Non. Parce que c'est pas mal chargé, hein, donc faut pas trop charger non plus. Ou un truc comme ça. À la limite. Voilà. Bon, on verra, de toute façon, on continuera ensemble le demain matin, je pense. Là, il est tard. Et je veux qu'on le continue ensemble demain matin. Voilà. Pour l'instant, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Est-ce qu'on peut tourner les pages ? J'ai peut-être un peu trop serré et pas laissé assez de jus. Ça, c'est un de mes défauts. On peut pas mettre beaucoup de photos dans l'album. Hein.
je laisse plus de jus. Mais bon. On est bien parti, je trouve. On est bien parti. Là, on mettra peut-être une étoile. L'étoile du sapin, quand même. C'est pas une étoile. Ah, l'étoile. L'étoile du sapin. C'est pas ça qu'on veut. Hop, une étoile comme ça. Ça, c'est une étoile biscuit, ça n'a rien à voir. Il faudra voir si on trouve une étoile. Au pire, on goûtera une étoile. Où il y a la big étoile là. Ou la plus petite. Hop, en haut du sapin, l'étoile. Ou la big étoile. J'en ai une plus petite. Quand même. Moi, je vais la mettre tout de suite. Hein. Un bout là, hop hop, l'étoile du sapin. Je mettrai peut-être du truc pour faire briller, après je modifierai peut-être, hein. Mais je pense que pour l'instant vous voyez pas mal et je pense que c'est pas mal. Après je vais décorer quelques pages toute seule et je finirai les deux dernières avec vous. Voilà, je pense qu'on va faire, parce que sinon ça va encore durer une plombe. Et voilà. Mais je pense que cet album, on va pas trop se le décorer vu... Ouais, là j'ai un peu trop serré. Vu comment il est fait. Là je pense mettre, par exemple, j'ai vu qu'il y avait une étagère où il y a le fauteuil. Hop, le fauteuil. Tac, avec les moufles, ça va bien en plus. Je regarde ce que j'ai sinon. Parce que derrière, il faut que je mette quelque chose. Ouais, non, le fauteuil, ça va aller mieux là, de toute façon. Ouais, le fauteuil avec les moufles tout seul, ça va très bien aller là. Donc là, on va mettre le fauteuil. Ici. Comme ça, on peut mettre la photo. On va juste coller là, le bout. Du panier, on va le faire ensemble. Ah, on va peut-être arrêter là aujourd'hui et on continuera demain. Je vous dis, ce tuto va prendre plusieurs ça va prendre plusieurs jours, je pense. Pas plusieurs jours, mais plusieurs heures à le faire. Donc pas faire, mais je préfère faire plus court et on verra plus tard, d'accord? Donc voilà, on se retrouve pour la suite.